bienvenue au salon Bois Énergie où je suis heureux de vous présenter la marque Skia Design, qui est une nouvelle marque arrivée en France l'année dernière, que nous avons présentée maintenant depuis le mois de mars. C'est une société qui est belge, qui est totalement belge, montée, fabriquée en Belgique avec des composants haut de gamme. Notre but est surtout d'attirer la clientèle vers un produit haut de gamme, tout en termes de design, en termes de fiabilité et de composants. Et donc voilà, nous avons toute une gamme ici qui est représentative, dont un nouveau modèle de gamme étanche qui sortira sur la saison prochaine. Donc je vais vous présenter un nouveau produit que nous venons de sortir, que nous présentons pour la première fois sur un salon. Nous l'avons présenté le mois dernier à Vérone, en Italie, et nous le présentons donc aujourd'hui à Saint-Étienne. La particularité de cet appareil, c'est qu'il répond complètement aux exigences de la RT 2012, c'est-à-dire que c'est un appareil de petite taille qui se compose en deux versions, donc en 6 ou en 8 kW, complètement étanche, raccordable à l'air extérieur. Par contre, avec un très gros réservoir, hein, puisque malgré la petite taille de l'appareil, nous pouvons axer jusqu'à 18 kg de réservoir, ce qui permet justement une autonomie dans une RT 2012 allant jusqu'à 24 heures d'autonomie. Les composants sont identiques selon les trois modèles que nous avons déclinés dans cette gamme, de façon à permettre à nos revendeurs et installateurs surtout de ne jamais être embêtés au niveau du service après-vente, puisque un corps de chauffe, une bougie d'allumage, donc des appareils fiables, faciles d'entretien, y compris pour le consommateur final, puisqu'il suffit de démonter l'échangeur thermique et les composants qui sont très très rapides pour donner un entretien très facile toute l'année à votre appareil. Alors, comme je vous le disais, nous sommes quand même très axés sur la beauté de nos appareils, sur les finitions, le design des appareils. C'est pour ça que vous voyez des appareils qui ne possèdent pas de porte, où tout est intégralement en verre. Le système d'ouverture se trouve avec une clanche de sécurité pour les enfants qui vous permet d'accéder à votre foyer pour que vous puissiez le nettoyer, qui est en moyenne une fois par semaine, simplement, puisque le poêle à granulés de bois est très très peu salissant. Dans la partie toujours assez originale de nos appareils, c'est que les appareils étant... nous n'avons pas de trappe d'ouverture dessus, mais simplement un couloir qui tire dessus où vous pouvez remplir votre réserve de granulés. Et au niveau de votre display, pareil, il reste complètement invisible. Il vous suffit d'appuyer sur ce petit pressoir pour avoir accès complètement à la programmation de votre appareil. Ce qui permet à votre appareil, lors que vous ne l'utilisez plus, d'avoir un design qui est complètement épuré, qui fera parfaitement l'affaire, en tout cas dans toutes les maisons que nous pouvons équiper, qui sont l'ordre de 4000 pièces sur la première année d'activité sur la France. Dans la continuité de notre gamme, nous avons présenté juste avant le fusion en acier. Nous avons également fait un fusion que nous appelons glace, qui est un modèle complètement en verre, avec un plateau de 3 épaisseurs d'un centimètre de verre relié à des plaques d'inox. Pareil, avec donc un top coulissant pour le chargement de l'appareil, un display complètement invisible puisqu'il se trouve à l'arrière de l'appareil et qui lui est géré complètement par télécommande. Donc dans les nouveautés 2014, on a également réfléchi à un produit mural qui peut également s'adapter au sol, hein, qui n'a pas besoin d'être suspendu, qui a pareil une particularité, c'est d'être très peu profond puisqu'il ne prend que 30 cm. C'est un appareil qui fait 8 kW avec un chargement de 15 kg, donc un sac plein, avec possibilité de sortie verticale ou une sortie à l'arrière de l'appareil selon si le conduit de fumée est en chambre. Même corps de chauffe que pour les mini, c'est-à-dire qu'on travaille sur des corps de chauffe qui sont petits, qui font 35, toujours avec des rendements de 94% au niveau de notre efficacité.